Les couples viennent nous voir à la consultation lorsqu'ils ont un projet d'enfant. C'est d'ailleurs souvent à cette occasion qu'on voit pour la première fois le conjoint qui n'est pas atteint par le syndrome de Marfan qui vient à la consultation pour lui aussi recevoir des informations. Alors des informations évidemment spécifiquement par rapport à la grossesse, par rapport aux différents dépistages, mais aussi des informations sur le Marfan parce que la plupart du temps, ils n'en ont reçu que par leur conjoint qui, lui, est porteur et est suivi à la consultation Marfan. Dans le cadre de mes entretiens et des consultations avec la psychologue, lors de ces demandes de renseignements ou de l'expression de ce désir d'enfant, mon rôle, c'est de comprendre leur choix, s'ils ont fait un choix de dépistage particulier ou s'ils ne l'ont pas fait d'ailleurs. C'est de comprendre leur choix et de les amener à parler de ça ensemble avec moi, donc de m'expliquer à deux comment ils se sont positionnés pour être vraiment bien sûr, je dirais, du caractère homogène de leur choix. C'est important que les deux partenaires soient bien d'accord sur le choix qui est le leur, soit d'un dépistage, soit de pas de dépistage, pour ensuite en assumer les conséquences derrière et tout ce qui va se passer ensuite lorsqu'ils feront l'enfant ou lorsqu'ils l'auront. À l'issue de l'entretien, ces couples souvent sont encore dans une démarche de réflexion. La décision n'est pas forcément tout de suite prise. Donc, ce que je leur propose, c'est de venir m'en reparler. Moi, je reste à leur disposition, qui peuvent venir en couple, à deux donc, ou tout seul. Le conjoint non porteur ou le patient de la consultation, continuer à parler de ça, à réfléchir avec quelqu'un de neutre justement qui n'aura donc pas ni jugement, ni conseil, ni avis, mais simplement une position d'écoute et d'accompagnement dans cette prise de décision.